Salam alaikum. Donc voilà, donc on est en train de faire des décors pour un client. Donc on va faire un tête de lit. Là, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Je vous ai déjà montré déjà. Voilà, donc une tête de lit avec les décors marocains. Voilà. Donc celle-ci finie fera 1,70 m sur 1,50 m de hauteur. Voilà. Donc maintenant il nous reste encore à faire le cadre. Faire un cadre de 5 cm tout autour. Et après on va bien sûr le peindre en blanc. Voilà. Donc et la cliente va venir la récupérer la semaine prochaine. Elle vient de France et donc ils vont le ramener avec pour partir sur le bateau, je pense. Voilà, donc Inch'Allah, on aura fini dans 2 jours, là, 2-3 jours, ça sera fini. Voilà, en tout cas, voilà donc ce qu'on fait. Donc, bien sûr, en toute dimension, n'hésitez pas de demander un peu les dimensions que vous voulez pour avoir un devis. Donc, il n'y a pas de souci, hein. On fait ça toujours au meilleur prix, mais toujours avec une très bonne finition. Voilà. Voilà, une fois fini, je vous montrerai une fois fini là, quand la tête de lit est finie, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Voilà. Sinon vous voyez aussi les portes comme ça, avec les décors américains. Voilà, une très belle porte. La porte d'intérieur, très jolie. Voilà. Voilà, donc on va faire un peu ce décor là. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je vous fasse un devis pour les personnes qui veulent. Il n'y a pas de possible, on peut l'envoyer aussi hein, par transporteur. Il n'y a pas de souci, ça partira aussi. Bon, là en plus c'est une tête de lit, donc c'est facile à envoyer. Hein. Ça prend pas énormément de place. Donc il n'y a pas de problème. J'ai envoyé des chaises la semaine dernière, j'ai envoyé des chaises en Belgique aussi. Donc voilà, la cliente était très contente. Il n'y a pas eu de soucis. Et voilà. Donc ça, c'est en route. Et puis je vous montrerai le rendu final. Voilà, à tout de suite. Voilà aussi quelques modèles de portes intérieures ou extérieures. Qu'on fait aussi pour... et bien sûr qu'on peut toujours envoyer. Ouais, donc il y a un peu le choix. Je vais vous montrer juste voilà, donc il y a le blanc avec le décor comme ça aussi qui est très joli, vraiment style marocain. Sinon il y a plus moderne comme ça. Après voilà, il y a des portes travaillées ou pas travaillées. Après, il y a des portes aussi avec les lattes comme ça. Voilà, aussi les portes blanches comme ça aussi qui sont magnifiques. Une porte d'entrée en blanc. Voilà, vraiment le style américain. Voilà, un peu comme chez nous. Voilà, en tout cas tout est possible. N'hésitez pas à me demander les tarifs, bien sûr toujours en fonction des dimensions et des mesures. Voilà, c'est une très belle porte d'entrée, ça. J'aimerais bien avoir une porte comme ça d'entrée, bon. Mais bon, malheureusement, on a fait comme ça. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est un détail. Et voilà. Et voilà, donc là, je suis en train d'acheter la nourriture pour les poules et les canards et les oies. Donc voilà, donc il y a chair, et le maïs entier. Donc voilà, c'est important de donner de la bonne nourriture pour avoir quelque chose de bien. Donc voilà, le maïs concassé. Voilà. Voilà. Il y a un peu de tout, donc c'est bien. Et c'est de la bonne qualité.
Voilà, je suis à 7 El Gadam, c'est qui vendent ça. Et je prends aussi Awara, mais là, comme j'avais un truc à faire ici, donc je suis passé prendre ça. Et voilà, donc il y a le choix. Et voilà. Voilà, on a une chef étoilée Thermomix. 4 étoiles au guide Thermomix. Elle va nous préparer une recette. Waouh! La meilleure vendeuse en France. Meilleure vendeuse, elle a eu 3 médailles d'or. Comment? Chef étoilé? Ouais, d'accord, d'accord, j'arrive, chef. Voilà, bah, déjà une chef étoilée en cuisine. Tu vas voir. Voilà, on va voir. Donc, tu fais un gâteau aux pommes? Aux pommes, ouais. Une recette que j'ai jamais. En Thermomix? Essayé, oui. C'est toujours Thermomix. Attica à côté, c'est toujours Thermomix. Thermomix, ouais. Toujours. Hein. Alors, moi, c'est toute la journée. La ouais. Recette. On remarque. C'est la première recette que tu fais, je crois. Et maintenant, depuis que tu es arrivé, c'est la première recette que tu fais. En menteur, j'ai fait des recettes. Hein. Quand? Les gens qui me suivent, j'avais fait des flans, des petits pots là que tu as mangé 3 jours. Ah ouais, deuxième recette alors. Ah pardon. Ouais, j'ai deuxième fait recette. Un truc avec le cloud. Qui t'a fait les poulets l'autre jour et les pâtes aux légumes, tu n'étais pas là. Bon, troisième recette, j'étais pas là, voilà, j'étais pas là. Non, c'est pas grave. Je voulais juste dire que c'est embêtant parce que vous n'avez pas le découpe minute alors que maintenant. Mais il fallait que tu le ramènes, on l'aurait eu si tu l'avais ramené, on l'aurait eu. En France, oui, mais si tu l'avais ramené, on et l'aurait ça, eu. C'est top, génial. Il fallait le ramener. On l'aurait eu. Non, chérie. C'est pas en vente. Pourquoi elle a pas ramené? Des coupes minutes. C'est pas en vente. C'est pas en vente. Non. Mais il fallait donner le tien. Voilà. Et là, on a la chef du linge. La chef du linge, général. Troisième étoile du. Oui. Moi, je mérite le 10 étoiles. Ouais, mais t'as tous les habits, t'as à laver tout ça, c'est normal aussi, hein. J'en ai marre de la vie. C'est chiant, hein. On devrait garder toujours le même vêtement. Ça serait bien, non? Qu'est-ce que tu penses? Chérie, j'ai travaillé, chérie. Voilà, j'ai travaillé. Tu as travaillé dans la guerre ou quoi? Ouais, je suis en train de travailler, crois-moi. J'ai pas fini encore. Pas fini, préparer le truc du bois et tout ça, j'ai travaillé, hein, qu'est-ce que tu crois? Et pourquoi t'as pas travaillé avec les t-shirts où t'as fait ça, dedans la peinture, tu pouvais travailler avec ça, et il est bon. Dégueulasse. Allez, on coupe, on ceinture, c'est bon, parce que ça va être ma fête, allez, sur ce... J'ai pas compris. Chut, scoot, allez, sur ce, je vous laisse, parce que ça commence à partir en live, en sucette, allez, je vais continuer d'emballer mes commandes, bye bye. Et voilà, donc les commandes sont prêtes. Voilà, il ne reste plus que demain à ramener ça chez le transporteur. Donc ça va partir pour Paris et pour Marseille. Puis j'ai des commandes encore sur le Maroc, sur Rabat demain. Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment de commander encore tous les produits. Il n'y a pas de problème, on vous livre ça rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, partager au maximum. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.